Salut les frérots. C'est Frankie Foot, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va pas trop bien aujourd'hui parce qu'on se fait quand même un peu défoncer aujourd'hui au mercato. Donc c'est un gros coup de gueule que je vais passer. Donc Balotelli ne viendra pas, il restera à Nice. De Balotelli, je m'en bats les couilles, hein. C'est pas lui, hein. Mais c'est qu'on se fait mettre à l'amende par Balotelli. Voilà, on se fait mettre à l'amende par Balotelli. Voilà. Donc ça, ouais, ça me fait un peu chier, tu vois, ça me casse un peu les couilles. Donc apparemment, c'est pour 1,5 million, je sais pas quoi. L'OM n'a pas mis 1,5 million, donc Balotelli ne vient pas. Moi, perso, ça, je n'y crois pas. Hein, pour commencer, c'est des conneries. Quand tu es capable de mettre 12 millions sur Andonich et 19 millions sur Caleta Car, Caleta Bus, c'est un bus, hein. Qu'est-ce qu'il est lourd. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est lourd, Caleta Car. Bref. Quand tu es capable de mettre des 20 millions sur ces joueurs, alors pour 1,5 million pour Balotelli, tu aurais pu les mettre. Hein. Donc ça, arrêtez de nous prendre pour des cons. Parce que Jacques Carriero, ce n'est pas une entreprise là que tu as. Tu n'es pas dans ton bureau ou à Disneyland ou où tu étais là. Là, tu as l'OM. Alors tes coups de bluff comme ça, ça ne marche pas avec nous. Hein. Je te le dis d'entrée. Arrête de nous prendre pour des cons. Voilà. Ça, c'est le premièrement, tu vois. Ensuite, il reste 10 jours de mercato. 10 jours. Il reste 10 jours de mercato, il faut recruter un 6, un numéro 6, et pas un bidon, hein. Pas un Napalis Mendy là, que j'ai entendu récemment, là. Il est bidon, il est bidon, il est mort, il est bidon. Pas un Napalis Mendy, hein. Moi je ne veux pas ça moi. Pour prendre Napalis Mendy, je garde Boubacar Camara, tu vois. Je préfère Camara que Mendy d'entrée, voilà. Donc il te faut un bon numéro 6, hein, un bon numéro 6. Style, lui, de Salzbourg, ça m'a secoué, là. Voilà, pourquoi pas. Il te faut un arrière-gauche pour concurrencer à ma vie et pas un arrière-gauche bidon. Non, il te faut un arrière-gauche pour concurrencer à ma vie. D'accord. Donc, ça fait déjà deux postes. Et pour finir, il te faut un attaquant. Donc, on n'a pas fait Balotelli. On s'est fait mettre à l'amende comme des bleus. Voilà, comme des bleus, on s'est fait mettre à l'amende. On s'est fait mettre à l'amende, comme des pitres. On s'est fait mettre à l'amende par Balotelli et Raiola. Voilà, ils nous l'ont bien mis profond. Et je tiens à m'excuser à mes abonnés, parce que même moi, je me suis fait avoir. Je pense comme tout le monde, on s'est tous fait avoir dans ce dossier. Voilà, tous. Bref. Et il te reste un attaquant donc à prendre. Tu as Aboubakar encore, je le répète encore une fois. Tu as Aboubakar de Porto, qui est très très fort. Qui est très très fort, qui peut faire du bien à l'OM. Voilà. Ils veulent 20 millions, vous sortez les 20 millions. On n'est pas des clochards, encore une fois. Parce qu'on passe pour des clochards. 1,5 million pour Balotelli, il s'est fait mettre à l'amende. Mais vous vous rendez compte comme c'est grave. Comme c'est grave, c'est une honte. Une honte, c'est une honte. Bref, Balotelli, je m'en bats les couilles maintenant. Je vais pas te... Voilà, je m'en fous de Balotelli. Tu veux pas venir, ne viens pas, reste à Nice. Tu vas jouer avec, je t'ai dit, avec Souquet, avec Dante, avec Benitez, avec Lesmelou. Voilà, reste là-bas, tu vas rester là-bas. Bref, tant pis pour toi. Donc, il nous faut prendre un attaquant. Tu as Aboubakar de Porto, qui est très très fort, qui connaît la Ligue 1, qui a joué à Lorient, qui joue à Porto, qui joue la Ligue des Champions régulièrement, qui est très très fort, qui est technique, rapide et puissant et qui marque des buts. Donc, Aboubakar, il faut aller au Portugal, monsieur Zubizarreta, et aller me le chercher. Si tu vois que tu n'arrives pas à le faire, tu vas en Espagne, il y en a un, il joue à la Real Sociedad, il s'appelle William José. C'est un mec qui met 15 buts par saison, c'est un Brésilien, 26 ans, 1m93, très très bon. Vas-y, prends contact, fais des choses. Ben Yedder, oublié, Ben Yedder, il est trop petit, il va nous rendre fous, il est trop petit, Ben Yedder, c'est comme Germain. On s'en fout de Ben Yedder, qui reste où il est. Mais activez-vous, il reste 10 jours. 10 jours pour faire 3 recrues. Hein. Un 6 et pas Napalis Mendy, je le répète. Un 6, un attaquant et un arrière-gauche. Vous avez 10 jours. Voilà, vous avez 10 jours. Parce que me faire mettre à l'amende par Balotelli, ça passe pas ça. Voilà. Et dans le mercato, vous n'êtes pas bon aussi. Il va falloir que vous vous réveillez. Hein. Donc il reste 10 jours. Alors buvez la tisane, hein, que vous avez pris pour un con avec la tisane. Buvez la tisane. Et activer, hein, monter dans les avions et aller un peu de partout chercher les joueurs. Bravo pour Andonich, je ne le connais pas, ça doit être une bonne recrue. Caleta Car, même si je me moque de lui, c'est son premier match, les gars, il ne faut pas non plus le juger, on va voir ce qu'il vaut par la suite. Mais voilà, deux recrues, ce n'est pas assez. Et quand j'entends Rudy Garcia en conférence de presse
me dire on n'a pas besoin d'attaquant. Non, 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 arrête de fumer un peu le pétard, hein, Garcia. Arrête de fumer. Détends-toi, il nous faut un attaquant. Parce que Mitroglou, Germain, cette saison, non, non, non. Ça va me rendre fou. Voilà. Ça va me rendre fou. Mitroglou, tu le gardes. Germain, tu le prêtes. Tu fais ce que tu veux. Mais tu me prends un attaquant de pointe. Voilà. Et un attaquant qui met minimum 15 buts par saison. Voilà. Aboubakar, William José, Dolberg de l'Ajax, Dembélé du Celtic, il y en a. Allez, on s'active, on se bouge. On se bouge. Et aujourd'hui, je veux pourquoi Balotelli n'a pas signé à l'OM. Je veux une explication de la direction. Voilà. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous vous êtes fait mettre à l'amende. Ou alors pourquoi vous avez bien fait de ne pas le prendre. Mais je veux une explication. Voilà. Et avant de finir cette vidéo, je dédicace cette vidéo à René Malville. Voilà. Donc allez sur le Fossé 1, le site de l'Olympique de Marseille, et allez voir la minute de René sur Balotelli. Il a entièrement raison. Voilà. Les gars, je vais vous laisser là. C'était Francky Foot. Et Balotelli, reste touché. On n'a pas besoin de toi. On s'en bat les couilles. Voilà. Allez, ciao les potos.